pour la première fois, tu t'ennuies dans la maison sur la mer. La mer est trop bleue, le soleil un œil rond dans le ciel implacable. La vie tourne autour des repas, des heures à table, des heures à parler de ce que vous allez manger dans la journée dès le petit déjeuner, comme si vous étiez des tubes digestifs sur pattes. Si on faisait du cochon, plutôt du veau. Bertin en a un excellent élevé sous la mer. Tu vois un grand veau bleu qui nage entre deux eaux. Est-ce qu'il a un goût de poisson, ce veau-là? Des branchies, des arêtes. Tu as des cuisses comme des jambons. Les feuilles des grands plumeaux blancs ont des bords coupants comme des lames de scie. Le paradis n'est plus ce qu'il était. Il sent le graillon. La magie bonnie ne fonctionne plus. Zoé, je ne sais pas très bien quel âge elle a, mais elle aborde l'adolescence. Et elle vient d'une famille, ravagée. Pas du moins, entre sa mère et elle, c'est le ravage, c'est même le carnage. Hein. Et le roman va d'un été à l'autre. Et au début du premier été, la mère de Zoé vole en éclats. Hein, et Zoé va se réfugier chez sa grand-mère adorée, Bonnie, qui a une maison sur la mer où elle a toujours passé tous ses étés. Et elle y va comme un endroit où elle va pouvoir tout poser, se reposer, se blottir. Et ça ne fonctionne pas du tout comme ça, en fait. Cet été-là, Bonnie lui apparaît comme une vieille dame qui aime trop la cuisine au beurre, qui a des gants de peau tout plissés et qui est dans un passé dans lequel elle sent qu'elle n'a plus sa place. Et donc c'est le début du grand bouleversement de l'adolescence. Et Zoé, à ce moment-là, va avoir une réaction assez radicale. Elle va vouloir s'échapper par le haut, hein, abandonner ce corps qui finalement la gêne, la trouble, qui grandit, qui grossit sans qu'elle puisse le contrôler, ce qui arrive souvent à l'adolescence. Hein, et elle va cesser de manger. Hein. Alors, dit comme ça, ça fait assez glauque, hein, mais je pense que quand on lit le livre, on n'a pas cette impression-là. C'est un livre qui a des éléments graves et durs, mais qui est aussi traversé par une sorte de légèreté aussi et d'humour, et je l'espère, hein, qui est porté par une langue qui permet d'avoir un peu de hauteur. Hein. Alors il y a un dispositif qui est assez particulier, un dispositif de langagier. C'est un livre à la deuxième personne, hein, c'est une adresse, c'est-à-dire que le narrateur, ou plutôt la narratrice, puisque c'est moi, s'adresse à Zoé. Donc on peut imaginer que c'est l'adulte qui s'adresse à la petite fille qu'elle était. Hein. Ça permet de mettre une petite distance, ça permet de mettre un petit peu d'air, hein, entre la narratrice, c'est-à-dire moi-même et Zoé. En tout cas, c'est un dispositif qui m'a plu, dans lequel je me suis sentie bien pour raconter cette histoire, hein, cette histoire de désenchantement, mais bon, qui ne va pas se terminer, elle ne va pas se vautrer, hein, là. Enfin, Zoé. Zoé, elle s'en sort. On s'en sort généralement par les autres. Hein, et donc, il va y avoir des rencontres qui vont faire que, voilà, dans la faille, elle va faire jaillir la lumière. Je ne sais pas si ce livre est porteur d'un message, mais sans doute, oui, qu'il est porteur d'un message. C'est que, aussi ratatiné par sa famille, par les événements qu'on puisse être, on trouve en soi la force de devenir une belle, forte personne, hein, qui transforme ses difficultés en atout finalement. Hein.
Ça s'appelle la résilience, hein. C'est Sirlis qui a inventé ça, et j'y crois vraiment. Un livre auquel je reviens toujours. Je relis rarement, moi, mes bouquins. Un livre auquel je... Oh, je crois que ça serait « Trois chevaux » de Eri De Luca, qui est un livre que j'ai adoré. C'est un livre, c'est que je l'ai lu pendant une insomnie. Généralement, après une insomnie, on est... Bon, voilà, on se lève le matin et on est un peu défait. Et mon compagnon m'a dit « Mais t'as une mine magnifique !» J'ai dit « Mais j'ai lu cette nuit un livre extraordinaire. » Un livre qui est, pour moi, c'est la vie, c'est l'espoir, c'est la quintessence de la vie. Et je l'ai relu plusieurs fois, « Trois chevaux ». Et j'ai toujours eu cette impression de c'est un livre inclassable. Enfin, je ne sais pas si vous connaissez Eri De Luca, hein. Mais c'est un livre profondément humain et beau.